Et on est reparti, bonjour à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas joué Snitch et je suis bien content de venir pouvoir me faire quelques nains, ça va quand même être beaucoup de plaisir. Grombrindal. J'en avais quand même repoussé pas mal, hein. Ils sont rang de force combien les nains? Rang de force 3, mais ils n'ont que 20 colonies. Donc c'est pas encore le rouleau compresseur immonde qu'il est capable de devenir dans certaines campagnes. On peut encore le stopper. Il va falloir gratter progressivement. Moi j'ai un territoire qui commence à être relativement cool en termes de défense. De par sa forme. Hein. Parce que bon, le territoire que j'ai ici maintenant, du coup il est un peu plus safe. Le conflit va se passer principalement ici, peut-être un peu ici. Mais comme je suis allié de Kalida, bon ça devrait aller. Mais de toute façon, il va falloir que je sois offensif à fond. Alors, ce qu'il faut, c'est que j'aille refaire l'armée de Snitch. Il me manque 2 unités. Qu'est-ce qu'il me faudrait? Ah ouais, je peux rien recruter ici. Ici, pas grand-chose non plus. Il va falloir que je recrute en... Ah. Bon, de toute façon, il faut que je refasse mes troupes. Donc, je vais aller me mettre en garnison là-bas. Toi... Ouais, commence par ça, tu vois. Dommage, j'aurais espéré un succès total. Oh là là là, ils sont en train de se refaire. Ils sont en train de se refaire très très vite. Ah mais oui, mais ils commençaient à souffrir et du coup ils sortent des armées pour Rave. D'accord. Bientôt l'immortalité pour celui-ci. Ça c'est bien. Portée nana, ok. Oh, j'ai plus de sorciers. La malédiction des sorciers. Oh mais merde. Ah non, je veux un sorcier moi. J'en ai plus. Oh. Qu'est-ce qu'il faut pour un sorcier? Mais attends. Sorcier normalement, mais oui c'est ça. Hein? Ah oui, je l'ai pas au niveau 3 ce bâtiment là, incroyable. Bon d'accord. Du coup j'ai cette armée-ci. Pourquoi j'ai une armée là? Oh là là là, je me souviens pas, c'est il y a trop longtemps. Pourquoi j'ai une armée là? Pourtant j'ai pas de guerre. Bon, il devait y avoir des armées ennemies qui traînaient à gauche à droite. Et que ce n'est plus le cas. Je vais laisser l'armée ici parce que si elle est là, il y a peut-être une raison. Ordre public, d'accord. Là, ça augmente aussi, ça c'est bien. Bon, ok. Donc. J'aurais apprécié pouvoir y mettre de bonnes unités. Ah, de type canon ou catapulte. C'est vrai que pour les attaques en embuscade, c'est assez intéressant. Bon, l'armée de Snitch, elle est pas mal du tout, hein. Bon, on va voir, je vais laisser mes finances remonter un petit peu. Pour l'ordre public, c'est pour l'ordre public que je l'avais mis là-dedans. C'est bien possible. Merci beaucoup Mike Abre pour leur e-sub de tier 2 de 5 mois. Merci du sel pour le trône de sel, des larmes pour la mer de larmes. Je regrette toujours, toujours pas la migration Twitch. Heureux de pouvoir te supporter un peu via cette plateforme. Big up. Merci beaucoup à toi pour ce soutien de longue date. En effet. Et merci Black Viper pour le resub de 9 mois aussi. Le misclick sera-t-il présent? Ah, il y a des chances parce que je suis quand même... Le week-end fut long et rude. Oula. Oula, oula, oula. Oula, oula, oula. Ah non, non. Qu'est-ce qui... Attendez. Qu'est-ce qui reconstitue les troupes chez les Skaven, les assassins? C'est les assassins qui font ça. Et je pourrais justement en avoir un de plus. Ouais, reconstituer les troupes. Parce que là, ça va pas aller. Armure 25 et défense plus 5. C'est pas dégueu, ça. Enfin, pour lui, quoi. Et là, commandement plus 2 et attaque plus 2 pour toutes les unités dans l'armée. C'est toujours sympa aussi. Non, les orques ne sont pas morts.
Ouais, non, d'office, en fait, ça va être intéressant de faire ça. Ah mais oui, c'était fait exprès. Formidable. Parce que... Assassin, ça peut être relativement sympa pour faire blober autour. Et pour tabasser avec des unités à distance. Et c'est quand même une bonne force. Il n'y a aucun personnage à assassiner, c'est sérieux ça. Bon, du coup, il me faut juste recruter un truc. Alors, en termes de tir, de dégâts à distance, est-ce que j'ai assez de trucs? J'ai ces trois-là qui vont faire mal, ces trois-là relativement. Quand même, canon catapulte. Ah, coûte trop cher. M'aurait bien plu de pouvoir en prendre un de plus, quoi. Mais 4 tours pour les vermines de choc, c'est 1000 fois trop. D'un autre côté, je peux pas... Je peux pas trop rester statique, hein, là. Ou alors, tant pis, hein, je prends mes 19 unités sous le bras et on y va, quoi. Alors, ça, c'est le plus important. Bah, à la limite... Ouais. Merci beaucoup, Ninobac, pour les 100 bits. Ah, le train de l'hype! Incroyable! J'ai reçu un mail pour m'expliquer ça. C'est fou. Merci. Alors, je sais plus comment ça marche. Mais... Ah oui, non, c'est ça. C'est encore une technique scandaleuse utilisée par Twitch pour que vous donniez plus d'argent. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que le train de l'hype vient de démarrer. Et plus vous donnez de sous ou de subs de bits, plus ben voilà, ça remplit des pourcentages de machin. Et puis il y a des paliers à franchir et vous gagnez des émoticônes. Merci Vent du Pain pour le prime. Ah ben voilà, un prime ça fait 28% du train. Incroyable. Non mais vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je n'ai rien à voir avec ces choses. Par contre, faudra que je m'en tracasse de savoir ce que ça fait en termes de nouvelles émoticônes. Parce que si jamais c'est des emotes que je dois faire à nouveau, là par contre, vu que je suis en retard de 18 émoticônes à peu près, ça va être compliqué. Vous allez dire que je suis un malpropre, mais je viens de ressortir Throne of Britannia. Je crois que c'est le meilleur Total War historique depuis Rome 2. Ah ouais? Ah, c'est un des rares auquel j'ai pas touché depuis qu'il est sorti. Sérieux? Ouais, c'est vraiment un des rares que je n'ai jamais essayé. Merci Charcot pour le resub de 4 mois. Merci beaucoup. Bon, je vais mettre l'assassin dans l'armée de Snitch. Voilà. Oh, oh là là! Ah oui, j'aurais dû le faire plus vite en fait. Hein? Ah, j'aurais dû me mettre en mode campement d'abord. Bon, c'est pas grave, je vais faire ça. Oh, cette reconstitution du plaisir. Et du coup, si je mets deux assassins dedans. Non, parce que l'autre, il est. L'autre assassin. Il a quand même beaucoup d'XP en tant qu'assassin de campagne. Enfin, sur la map. Du coup, j'ai. Je compte pas le laisser spécialement dans l'armée pendant longtemps. Mais en fait, ça se tente en vrai. Snitch plus deux assassins pour vraiment faire blober l'armée adverse à crever. Et puis du tir à mort derrière. Moyen de faire des trucs comiques. Pareil qu'il est trop technique. Throne of Britannia, il est technique. Je sais pas, j'avais entendu d'excellentes critiques sur celui-là et des critiques vraiment merdiques. Enfin merdiques, qui disaient que c'était de la merde. J'avais entendu les deux, donc c'est pas évident de... C'est pas évident de savoir lequel... Je ne mange pas de graines. Merci beaucoup Arkham pour le resub également. De 4 mois. Ah bah oui, tiens, petit casse. Merci Hadesville pour le sub de niveau 1. Et ça y est, le train de l'hype a passé le premier niveau. Mais
Je n'ai rien à voir avec ça. Sachez-le. J'aurais quand même bien aimé pouvoir sortir un petit sorcier. Hein. Raid nourriture. Vas-y, parce que là, la bouffe, ça diminue. J'aimerais autant faire ça. En plus, ça va le faire pexer. C'est vrai qu'il faut que je me souvienne qu'avec le clan Eshin, il faut impérativement, constamment faire des opérations douteuses pour faire pexer les personnages au début. C'est important. Là, je vais faire ça parce que clairement, ça va devenir une zone de front ici très très rapidement. Ok, bah, je vais continuer à avancer en embuscade, tiens. Voilà, on revient, on refait l'attaque. Ah! C'est d'accord. Ah merde, s'il me voit pas, il va attaquer la chaîne des monts cendreux. Pas sûr qu'il ait la portée. On va voir, est-ce que je peux faire un truc intéressant? Non, pas tout de suite. Au niveau des batailles, il est pas ouf en effet, surtout à côté de Total War Warhammer 2, mais c'est plus au niveau de la carte de campagne et des mouvements de troupes où il est terrible. Ah ouais. Et est-ce que dans Throne of Britannia, il y a déjà, comme dans Three Kingdoms, est-ce qu'il y a déjà la notion de... les armées doivent avoir des réserves. Des réserves de bouffe et de trucs comme ça pour pouvoir évoluer, sinon elles souffrent d'attrition. Ou alors il n'y a pas ce truc-là et ça a été introduit avec Three Kingdoms. Ça, c'est des questions que je me posais. Je me demandais... Quels étaient les trucs que Three Kingdoms avait vraiment apporté de nouveauté et qu'est-ce qui avait été testé finalement par Throne of Britannia. Merci Ninobac pour les 400 bits. Merci beaucoup. Et ben voilà, petite embuscade. Oh là là, les deux canons qui vont servir à que dalle. Et tous les tireurs. Non mais ça rien que pour ça, le clan Eshin, il est tellement fort contre nains. Contre nains, il est très 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 fort. Neutraliser toute la partie vraiment menaçante des nains. Enfin, quoique, s'il y avait des... Évidemment. S'il y avait... si c'était bourré de marteliers et de tueurs de géants, les tireurs ne sont pas la seule et unique menace. Bien sûr. Enfin, c'est quand même... Pourquoi j'ai fait ça? Il fallait parier, espèce de connard. Alors, du coup, Snitch, par exemple, lui, il peut blober à mort. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Je vais utiliser mes unités les plus solides pour choper les tireurs. Et pour le reste... on va faire full DPS et faire blober autour de Snitch. Oh, en plus ces embuscades, Skaven, c'est tellement du plaisir en plaçant par exemple des canons comme ça qui vont traverser la ligne naine dans tous les sens, c'est tellement bien. Je vais essayer de les mettre le plus bas possible pour que ça traverse vraiment, ça pénètre mieux. Et ça c'est important. Le technomage, il va buffer. Et du coup je vais mettre l'assassin avec Snitch. Ça va forcer le blob encore plus. Alors là par contre ça va être un peu plus tendu. En fait, l'avantage de cette technique-là... l'avantage de ce que je suis en train de faire... C'est que du coup, par exemple, le mortier, il va pas trop faire du friendly fire, il saurait pas. Parce que deux personnages qui font blober l'armée, ben voilà quoi. C'est pas eux qui vont prendre maximum tarif. Je vais juste prendre les dryades pour éviter des mouvements qui pourraient m'être problématiques. Alors du coup, c'est parti. Tac. Je peux faire ça. Ouais. Ok, ok, paf. Toi ne mange pas de graines.
Merci beaucoup Mike Abre pour le... Au secours! Pour le truc offert à machin! Et il faut que ça se passe bien. Oh, les trucs qui ont défoncé l'unité! C'était quoi? Longue barbe, arme lourde. La vache, ils les ont massacrés! Ah, j'ai ça aussi. Au secours. Je me souviens plus. Ah, ah, ah. C'est quoi ça? Tueur de géant? Ah, chiasse! Voilà, tire là. Voilà, toujours tellement de plaisir avec les ratlings. Ça a la portée, ça. Oh, quelle portée de malade, ce truc. Sneak, déplacement impossible, nanana. Ouais, on peut toujours le mettre là si ça t'amuse. Ouais, ça, pourquoi pas. Ah oui, c'est les trucs d'élite. Mais putain, pourquoi j'ai pas fait ça? Hein? Qui a mis tarif à sneak comme ça? Merde. Les tueurs de géants vont être problématiques. Sauf si je fais ça. Ouais, il tient à peu près, mais faut pas trop lui en demander quand même l'autre. Hein. Allez, Snitch, il y a des arbalétriers. Qui bouge, c'est intolérable. Ok. Trop de pertes. Pas assez de DPS à distance. Et où Snitch? Cassez-vous. Ouais, non, il n'y a pas assez de DPS à distance. Oh là là, oh, les tueurs de géants, c'est horrible. C'est horrible, ça tape tout. Ça tape tout et c'est même pas si fragile que ça au projectile parce que ils sont trop trop aérés. Ils n'ont pas de défense vraiment contre les projectiles, pas de bouclier, pas de trucs comme ça. Mais c'est juste que c'est une horreur. Ils résistent finalement très bien. En fait, ce qu'il faudrait peut-être que je fasse, c'est que je repère où sont les tueurs de géants systématiquement. Et que je mette une grosse priorité dessus. En plus, comme c'est indémoralisable. Joie. Dommage que j'ai pas une potion de soin pour Snitch. Ça aurait été plutôt bienvenu, ça. Du coup, bah oui, merci beaucoup à Mike Abre qui a offert un sub à Tonuac. Merci énormément. Tu as déjà fait des Warhammer figurines? Non, j'ai jamais joué un Warhammer figurine. J'aimerais essayer une fois au chalet. Mais jusqu'ici, je n'en ai jamais eu l'occasion. Ils sont trop musqués. Quoi, les tueurs de géants? Non, les tueurs de géants, c'est devenu une des pires unités à affronter chez les nains, en fait, surtout en légendaire. Parce que ça tabasse tout. Bon, évidemment qu'on ne peut pas leur envoyer une unité large, mais même les unités d'infanterie, en général, ils vont démolir la plupart. Ouais, faut vraiment les avoir à coups de projectiles, des dégâts explosifs. Ça qu'il faut, en fait. Très bien de booster un assassin pour l'attaque d'armée afin d'affaiblir avant d'attaquer. Mais lui, c'est le cas, hein, l'assassin que je viens de mettre dans mon armée. Il va sortir d'ailleurs. Hein. Nourriture. Il va sortir d'ailleurs parce que lui, il est vraiment spécialisé là-dedans. Enfin, entre autres. Mais en fait, je l'ai mis dans l'armée pour booster la reconstitution avant que celui-ci n'arrive. Parce que lui, ça va être son rôle de reconstituer l'armée. Et du coup, yes! Immortalité! Bill Putois, bravo! Lui, il l'a depuis Bail, puis Bellurette.
depuis un bail. J'ai la portée pour les atteindre. Yes. Oh, il va m'enlever une unité ou deux si je fais ça. Il y a des unités qui sont trop amochées, je le sens. Bah ouais, notamment celle-là. Faudrait que je la vire parce que là je vais avoir besoin que Snitch il ait l'armée la plus forte possible pour s'attaquer aux nains. Et du coup là il y a vraiment des unités qui sont plus à leur place. Hein. Triade oui, parce que rien que pour leur capacité en fait c'est super précieux les triades. Capacité d'invocation gratos, bah c'est top. Ouais bah en fait là on va pas se casser le... La nénette. Oh cette expression de cinquantenaire. Quel cauchemar. Putain cette pire en pire. Faudrait juste quand même que je chope leur artillerie. Ouais là je fais juste ça. Paf. Non ils sont là. Hop. Non 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 pas là. Là. Fuck. Il y a un petit tir au pigeon. Est-ce que les canons Skaven vont être capables de toucher ça? En mouvement en plus. Si ça touche ça doit être violent. Bon ils auront pas le temps parce que les Rattling. Ah. Non. Ouh, deux. Bah quoique, il y en a un, il est peut-être mort par la Rattling. Sinon c'est pas mal. Niveau précision, ça devient sympa. Hein. Ça c'est l'effet technomage évidemment. On abandonne la campagne Norse finalement. Non, c'est un report. On reprendra. Non. J'ai bien l'intention de refaire la campagne Norse. Surtout que là, on est dans une période calme. Hein, Creative Assembly a priori ne nous donnera plus de DLC d'ici le mois d'avril, probablement. Février, avril. Ouais, plutôt avril. Hein. Je vois pas trop un DLC arriver en février. Ou en mars d'ailleurs, parce que c'est vrai que je viens de me souvenir qu'il y a effectivement un mois entre les deux. Et limite je dirais plus avril que mars d'ailleurs. Campagne Bellegarde prochainement, j'en avais déjà fait une de campagne Bellegarde, c'est vrai que j'aimerais bien la refaire. Mais c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas le super bon moment pour refaire une campagne avec Bellegarde en fait. Bon, Skaven pour avoir de l'économie, c'est pas compliqué, faut bourrer les bâtiments verts partout. N'importe lesquels. C'est ceux qui rapportent le plus. Donc faut pas hésiter, même dans les capitales principales. Mais pour l'instant, je vais attendre pour la suite. Ouais. Donc non, la Norska, on le refera plus tard. Dans pas trop longtemps, parce qu'on va avoir le temps, plus de DLC. Donc on va avoir le temps de relancer quelques campagnes comme ça, tranquille. Ça fait partie de ce que je voudrais bien faire. Ça, et bon, on va finir la campagne avec Karl Franz, mais je crois qu'il n'y en a plus pour très longtemps, à mon avis, encore un voire deux streams, et ça devrait être fini, parce qu'il me semble que dans les objectifs de campagne, il n'y a plus que battre le chaos pour que ce soit fini en bonne et due forme, donc ça devrait le faire assez vite. Aïe, 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 les nains qui confédèrent. Ah, clan Skrir, contrat du clan Skrir. Je vais peut-être bien prendre ça. Qu'est-ce que ça me donnerait? Ça donne quoi encore à la fin? Mais non, Skrir. Armure plus 20 pour les seigneurs et les héros. Taux de recherche 5%, ouais. Mais coût de recrutement moins 220% pour les ratasphères, les canons, les roues, les équipes d'armes. Ouais, tout ça, c'est ultra utile.
Allez, toi, tu vas faire un tour. De toute façon, l'autre assassin arrive. Oh putain! Ah, ils vont pas me lâcher. Aïe 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 aïe. Mais ça, par exemple, il y a tellement de tireurs là-dedans que là, l'armée, elle sait rien faire contre Snitch, à condition de la prendre en attaque ou en embuscade, évidemment. Parce que si c'est l'inverse qui se passe, s'ils m'attaquent eux, parce que j'ai pas fait gaffe ou parce que je fais une erreur, c'est un peu la cata. Donc là, typiquement, je disparais. Tout le temps. Être en garnison, finalement, c'est pire. Tiens, je vais venir me mettre là. La distance est quand même correcte. Donc a priori ça doit aller. Non. Les phrases disent quoi en fait pour nos subs? J'avoue n'avoir jamais compris. Comment ça? Ah, j'allais dire, il s'est mis en embuscade ou il est parti, lui? Ok. Bon, bah ça, c'était clairement le bâtiment... Enfin, c'était la région qui allait être la plus difficile à défendre dans ce cas-ci. Ah, par contre, moi, aller en attaque... Il vaut mieux pas. Vaut mieux que je le laisse sortir, en fait. Oh, putain! Oh là 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 là! Oh là là! Ah, oh, mais non, mais non, mais non, mais laissez-moi respirer! Ça ne se fait pas, ça! Ils ont pas des ennemis! Pays de Galles indépendant. Ah, tout ça, c'est du, ça vient de Kaamelott. Mais je vais les changer bientôt. Je vais reprendre des trucs. Soit des phrases du jeu, soit. Des trucs maison. Que j'ai envie de faire. Il a assassiné mon assassin. Quoi? Pas tolérable, ça. Ah ben voilà, typiquement ça. Bon ben du coup faut les marteler avec avec le mortier. C'est encore l'unité qui va leur faire le plus mal. Et peut-être la catapulte aussi. Bon, ce qui est sûr c'est que je dois stopper cette armée tout de suite. Ouais, j'ai beaucoup de bouffe. Encore que c'est pas ça qui est ultra décisif dans ce genre de bataille. Quatre tueurs de géants et trois tueurs. Oh non, non, non. Ils ont pas beaucoup de tirs en fait, par exemple. Enfin, l'embuscade va quand même m'aider parce que je les engage tout de suite. J'ai un engagement immédiat sur l'armée adverse. Deux Tan. Bon, bah ça va faire du boulot pour mettre Jezai. Les nains sont bien près de ton territoire à ce stade. Bah en fait c'est un peu ce qui me fait peur là pour l'instant. C'est que les nains sont pas encore surpuissants comme ça arrive dans certaines campagnes. Mais ils sont déjà en train d'enfoncer mon territoire quoi. Et donc là on rigole moins. Tiens, ce coup-ci, je vais mettre ça et ça au même endroit. Comme ça, ils bénéficieront tous des buffs du technomage. C'est plus mieux. Juste m'assurer que leurs unités, le peu d'unités de tir qu'ils ont se font accrocher rapidement. Pour le reste... Ah ouais, je vais venir faire ça. Hop. Les roues, ça va être plus... Roues et ratasphères, ça va être plus pour contrecharger s'ils viennent chercher mes mortiers ou des trucs comme ça. Alors, dans l'ordre des choses, j'active ça.
puis les dryades. Les triades d'ailleurs. Puis j'avance Snitch. Puis ça, puis ça. Ok. Tiens, hop, déplacement impossible, on va le tuer tout de suite. Et là où ça blob. Hop. Je voudrais que mes ratling ne soient plus visibles. Merci beaucoup. Comment ça se passe ici? Pas trop mal. Ok, parfait. Bon là, je vais juste pousser celui-là. Où est ma roue? D'accord. Vous m'emmerdez, vous. What? Sérieux, il est encore vivant. Ah oui, c'est vrai que c'est un lanceur de sorts aussi. La ruine écorcheuse, c'est pas mal du tout comme truc. Non, ça c'est dangereux ça. Le Tan, il est quand même pas en train de bolosser Snitch, on est d'accord. J'aime pas ce qui se passe. Ah mais ok, il y a des tueurs de géants partout. Disparaît. Ok, bon ça va dans l'ensemble pour l'instant. Est-ce que je peux pas faire une nouvelle invoque? Oh tellement. Il est où Snitch? Ok. Ah, casse-toi! Ok, là je taunte, mais c'est tout. Bon, allez. Okay. Il y a ce blob ici, il tank. Faut que je recule. Oh là là, mes vermines! Mais il prend cher quand même. Oh, les canons qui tapent dedans. Ça commence à faire quand même beaucoup de pertes par bataille. Ça ne me plaît pas. Ruine écorcheuse, c'est quand même vachement efficace. Hein. Tiens, le geyser de flammes. Invocation de crevasses, mais ça aussi, c'est balèze quand même. Qu'est-ce qu'on a ici? Des tueurs. Aïe. Voilà, faut juste qu'ils se fatiguent, hein, ces cons-là. Faudrait que je vire tout le monde sauf Snitch. Voilà. Ouais, non, non, ça non. Ok. Tes mortiers font de la merde. Qu'est-ce qu'ils faisaient, mes mortiers? Super, il y a un tueur qui est en train de les bolosser.
Heureusement que nous avons notre solution anti-tueur sous la main. Bah, c'est vrai que finalement, les charges sur les tueurs, ils stoppent aucune charge en fait. Donc ça peut être aussi une astuce pour les vaincre. Mais c'est très risqué quoi. Il suffit qu'on les oublie et paf. Ouais, ma ligne a pris trop cher encore. Faut vraiment que je tente le combo mortier. J'étais pas assez à fond là-dessus, mais faut vraiment que je tente le combo mortier-catapulte-snitch. Donc snitch qui fait blober et les tirs mortier-catapulte sur le blob. Parce que le mortier fait 1000 fois trop de friendly fire quand il tire sur... Il a fait 17 kills ! Hein ? Mais il a rien foutu ! C'est scandaleux ça. Je sais pas trop si j'ai intérêt à faire ça. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Ruine écorcheuse, c'est quand même très fort, je trouve. Dégâts aux combattants contre un seul guerrier, ouais. Je vais lui mettre ça. J'ai perdu une unité. Fuck. Je peux pas trop recruter. Faudrait peut-être que j'envisage de faire venir des troupes plus fortes d'ici. Ah bah tiens. Bon, on va voir. Les tueurs n'ont pas de bonus anti-charge? Non. Ils n'ont pas de défense contre les charges d'unité large en fait. Bizarrement. En fait, c'est une unité d'infanterie anti-large offensive, mais pas défensive. Et vu qu'ils ont une formation très aérée, ce qui leur permet de résister pas trop mal aux projectiles d'ailleurs, bah en fait c'est aussi une vulnérabilité par rapport aux charges, parce qu'une charge de cavalerie par exemple passe à travers une unité de tueur très facilement. Ok. Ouais, une chose est sûre, je vais pas tenir encore super longtemps avec une armée Il me faut plus de dégâts à distance. Il me faudrait deux catapultes de plus ou un canon. Bah, ou deux canons. Virer ça. Peut-être du mortier en plus aussi. Je ne sais pas. Parce que là les armées naines, on va en bouffer mais à la peine quoi. Et mine de rien, Snitch, il perd quand même progressivement ces trucs, quoi. Restaure la santé de toutes les unités, pas avant 21 tours. Ah oui, je me souviens. Et là, pour l'instant, ce qui va pas, c'est que je ne progresse pas, quoi. C'est les nains qui gagnent du terrain. Ils viennent de gratter ce territoire-là. Et il y a beaucoup d'autres armées qui vont arriver. Ça, on peut en être sûr. Si j'enlève cette armée-là du truc. Plus un... Ah. Ouais, peut-être que j'essaye de mettre quelques unités là-dedans. Ah bah tiens. Un petit assassinat, ça te débarrasserait des nains définitivement. Comment ça? Un assassinat? L'heure est grave, monseigneur. Ah! On raconte partout qu'une force ténébreuse se lève. Ça pourrait peut-être calmer. Pourrait peut-être calmer les nains, ça. Parce que c'est eux qui vont se le prendre assez vite. Oh, c'est tellement ridicule à côté du mode KO x5.
Oh, c'est presque mignon. Ah oh, ben non, mais ils iront nulle part en fait. Ouais, mais les canons, ça coûte plus rien maintenant. Aïe, 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 aïe. Je pense que ça se... Bon, clairement, les gyrocoptères sont pas dangereux parce que je vais pouvoir jouer au tir au pigeon. Non, ça va, cette armée-là, en fait. Parce que là, il y a beaucoup de tirs. En fait, les armées naines où il y a beaucoup, beaucoup de tirs attaquent en embuscade et on n'en parle plus. C'est les plus faciles à affronter. C'est quand il y a beaucoup d'infanterie naine de corps à corps, forte. Genre s'il y avait beaucoup de marteliers ou s'il y avait beaucoup de tueurs de géants, là c'est chiant. Mais ce genre de truc, là par contre, mes vermines de choc vont se faire plaisir sur les arquebusiers. Et pour le reste, on va l'avoir au tir. Merci beaucoup Kern pour le Prime. Merci pour tes streams le dimanche soir. Passe de déprimant à vraiment sympa. Merci beaucoup. Sur l'échelle de la hype. C'est déjà pas si mal. Moi par contre, bah non mais c'est vrai que c'est quand je coupe le stream en fait le dimanche soir que je me dis putain demain c'est beau, c'est boulot. Ah là, là ça rigole moins. Sinon c'est vrai que le reste du temps ça passe vite. Par contre, si on fait 10 milliards de fois la même bataille en embuscade, hein, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on va un peu... vous comprenez ? Je vais essayer ça, tiens. Tout le monde va bénéficier du... de l'aura du truc. Voilà toi. Non, les ratlings, faut qu'elles soient là. Idiot. Bon, il y a des renforts qui arriveront, mais je suis même pas sûr que j'en aurai trop besoin. On va lancer une petite crevasse. On va se faire ce plaisir. Voilà, ça va pas faire tant de kills que ça. Oh non, mais non, mais non, les ratlings quoi, calmez-vous. Et voilà, ça c'est bien. Hein. Le blob avec l'invocation des triades, parce que ça, évidemment, que on s'en fout. Voilà, Snitch qui fait son taf. C'est bien. Ouais, je vais m'en sortir avec peu de dégâts, là. C'est quoi, ça, Longbarb? Très bien. Et tu vas où, là? Ling. Non, mais par contre, mais où sont... Oh, avec tous les boosts de vitesse qu'ils ont pris. Moi qui jouais un peu avec les... Ah ! Maru ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah mais putain, mais mes trucs ! Oh non ! Elle devait bien se passer, celle-là !
saloperie, mais bordel. Ils ont été trop encerclés. Oh, il en reste un. Ah mais oui, il est indémoralisable. Oh, c'est le dernier de son espèce. Ouais, bah ok. Hein. Bon, au moins ça passe. Bon, ça va. Ah non, mais l'infanterie a encore pris super cher. Hein? Pourquoi l'infanterie a pris si cher? Alors que ça se passait super bien. Je commence à être... à perdre confiance face aux nains. Enfin, à perdre confiance pour cette campagne. Sur le fait que, ouais, ouais, ça va bien se passer. C'est ce qui était convenu à la base. Eh merde, je m'en doutais. Ouais, il est grand temps de mettre plus de canons dans cette armée. Hein. Grand temps. Donc on va les faire venir assez rapidement. Combien je peux en mettre encore? Voilà. C'est peut-être un peu beaucoup ça, c'est gourmand. Catapultes, elles sont encore fort chères. Ah ouais, non, laisse tomber. Une suffira. Par contre, peut-être vermine de choc. Tant qu'à faire. On va définitivement faire 80 000 fois la même bataille. Encore un excellent plan de stream. Oh non, il va m'enlever ma roue. Oh mais putain! Encore un super projet de stream. Bon, pff, c'est pas grave. En fait, c'est comme si c'était une campagne chill, où en général je ne fais pas de VOD parce qu'au bout d'un moment ça devient compliqué. Mais celle-ci n'est pas une campagne chill et on fait quand même des VOD. Si vous n'avez pas suivi, c'est normal. Non, non! Mais... Hein? Eh ben, déplacement impossible. Ah oui, mais non, c'est pas un seigneur, c'est pas un vrai seigneur. Idiot. Aïe. Où sont les femmes? Ah, j'ai fait ça. J'étais confiant du slibar à ce point. Pas grave. Petite crevasse. Normalement, les deux unités-là, elles doivent y passer. La crevasse est quand même fort. Allez. Ah ouais. Peut faire très mal, hein. C'est quand même du dégât perce armure assez fort, mais ça reste une petite attaque, on va dire. Enfin, c'est pas très large en fait, c'est pas comme un vent de mort ou un truc comme ça où les dégâts sont super larges. Merci beaucoup Energia pour le resub. Bien le bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Comme un dimanche soir. Post problème technique du week-end. Malus, les nains sont chauds boulettes maintenant, Snitch, même délire.
Oui, la campagne de Malus, effectivement, qui s'est terminée sur les nains. Mais les nains, voilà, dans toutes les campagnes, ils deviennent surpuissants maintenant. Le tout, c'est de les prendre de vitesse, en fait, quand on joue des factions du mal. C'est vraiment devenu ça. Il faut les prendre de vitesse. Et se dire qu'on va patienter et qu'on les attaquera un peu plus tard, c'est la pire des choses à faire. Il faut être agressif sur eux. Coureur mortel, je prends. Snitch, il débuffe pas mal. Et... Ah bah, il va y avoir une fortification ici. Ça va me laisser un petit peu plus la possibilité de circuler. Si, Wulfric, on fera. Vous en faites pas. On refera. On retentera. Mais je sais pas quand. Dans pas longtemps, je pense. Mais bon, ce soir, je me suis dit, si je refais Wulfric une troisième ou quatrième stream d'affilée, les gens vont commencer à se plaindre. Je pense qu'il y a des gens qui vont aller sur Twitter et ça va pas bien se passer. Ah oui. Et j'ai fait la... Je sais pas si vous avez vu, mais cette semaine, j'ai fait... Bon, je me suis laissé aller, j'ai fait le con. J'ai fait une erreur. Faute. J'ai été donner mon opinion sur Twitter. Mais putain, mais foutez-moi la paix! Quoi? Que des mineurs? Il est pas encore revenu? Non, prochain tour, il y est. Oh, bah, je vais les laisser se mettre en attaque de la ville. Voilà, comme ça, je me reconstitue un petit peu. Moins de la peste, je m'en fous. Ah, ça, c'est piégeux comme truc. Commandement plus 10, défense plus 6 pour toutes les unités de rang 7 et supérieur. Attaque de mêlée plus 6 pour toutes les unités de rang 7 et supérieur. Mais entretien plus 20% pour toutes les unités. C'est très piégeux, ça. Ajoute une unité de... Ah ouais, ça peut encore être pas mal. Allez. Quand la suite de Carlito? Bah, j'avais hésité pour ce soir. Mais finalement non, j'avais envie de jouer à Snitch. À Snitch et touche pas à mon nain. Enfin non, oui, je disais, j'ai fait une connerie cette semaine. Parce qu'il y a eu... Vous avez vu passer la petite polémique sur le c'est quoi, c'est la couverture du J'aime lire qui parle des addictions aux enfants. Et il dit, le titre c'est « Jeux vidéo, alcool, tabac, je dis non aux addictions ». Voilà, c'est ça. Et il y a eu un tollé, évidemment, dans le milieu geek, n'est-ce pas? Héros assassin recruté. Hein? J'ai un assassin de plus? Comment ça? Ah ben mes deux assassins reviennent en même temps, formidable. Ouais, va falloir que je parte comme ça. Ah! Ah non 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 non! Ah c'est les mineurs! Oui, mais même, j'ai pas les moyens de repousser ça, moi. Les armées s'enchaînent. Eh oui, ils vont pas arrêter. Ah, d'accord, ils sont pas allés sur les monts cendreux. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Bah, ils vont où? Bon, du coup, je vais récupérer mon assassin. Pas le niveau 34, le niveau 7. Voilà. Voilà, ça va déjà faire une belle différence. Ah là par contre lui je devrais venir chercher cette armée là. Ouais bah alors elle va assiéger le bastion sombre. Ouais non ça devrait aller. Toi. De toute façon il a quasiment tout. Ok.
Enfin, une petite soirée en live. Oui, il n'y en a pas eu beaucoup cette semaine, mais bon, il y en aura plus la semaine prochaine. Ok, il va venir m'attaquer, moi je vais reculer. Peut-être qu'il pourra pas me choper. Avec un peu de bol. Sait-on jamais. Oui, oui, je sais, mon revenu est négatif, mais vous avez vu le nombre d'armées qui se pointent. Là, la thune, c'est pas ce qui m'inquiète. Non, il n'a pas la portée, je crois. Il bouge plus. Quid du complot niveau max pour faire pop les rébellions chez les nains. Ah ouais, mais non, mais j'y suis pas du tout. Hein. Là, j'ai deux complots. Il en faut 5 pour le truc. Et là, j'ai besoin de Snitch. Vu toutes les armées naines qui m'arrivent sur la tronche, si j'enlève Snitch et que je le remplace par un seigneur de bas niveau, dans 10 tours, les nains, ils sont dans ma capitale. Donc, faut faire gaffe avec ça. La vidéo a bien voulu sortir. Elle est uploadée en tout cas, mais j'ai pas encore fait la miniature, mais ce sera fait du coup demain. Ah ben voilà. Hop, je te passe sous le nez. Tu bouges pas, t'as rien vu. Paf. Ah ben voilà. Et là t'es baisé. Bah maintenant que j'ai les fortifications ici, du coup je peux aller assez sereinement récupérer. Oui, d'autant que l'armée qui est là, on est d'accord que Snitch, même en combat de plaine, il peut strictement rien faire. Allez, on va faire ça pour le plaisir. Quoique, attendez, j'ai pas une mission où je dois assassiner quelqu'un. Tentative d'assassinat sur un personnage, mais si, bien sûr. Oh, ce sursaut mémoriel! Incroyable! Voilà. Oh, succès total! Résister une tentative. Trésorerie plus 2000. Placer 3 unités. Coureur mortel, escouade mortelle de viking, coureur mortel. Ah. Ah, ah oui. Ok. Ah oui, du coup, j'ai un machin ici. Pourquoi pas bourrer le territoire ennemi d'assassins? Avec, ça m'offrira la vision sur ceux qui sont en train de m'envoyer. Ah, éventuellement, je pourrais faire ça si besoin à un moment donné. De l'ordre public et de la bouffe, c'est toujours bien. J'avais un talk sur le feu, tout à fait. Il est toujours d'actualité, mais pour la semaine prochaine. Bah, je pensais pas que je prendrais autant de temps pour faire le montage pour la rediff de la joute. Bah surtout que ça m'a pris 2 jours de plus à cause des problèmes techniques, mais bon, c'est autre chose. Est-ce qu'il va oser m'attaquer, l'autre? Non, il se barre? Ah, j'aurais dû rester en embuscade avec Snitch. J'aurais dû m'avancer tranquillement, me mettre en embuscade. Il serait peut-être venu au bastion sombre. Enfin, quoique, avec que des mineurs, peut-être pas. D'accord. Ah non, il est là. Oh, j'ai la... Oh non, j'ai pas la portée. Bah de toute façon, je peux l'avoir avec celui-là, alors. Non, je l'ai pas. Donc, je vais le prendre avec cette armée-ci. Hop. Bonsoir. Ah oui, évidemment, il recule. Là, ça fait loin, quand même. Là, ça fait loin. Ah, du coup, pas d'embuscade possible. Dommage. Attends. Alors. Donc, Snitch, on enlève ça. Donc, je veux les 3 canons. Je veux éventuellement la vermine de choc. Donc je dois enlever 2 unités. Qu'est-ce que je vire? Qu'est-ce qui m'emmerde? Éventuellement, j'enlève la catapulte. Parce que catapulte, ça peut être une unité très bonne en défense de siège. Or, cette armée-là, c'est plus à ça qu'elle va servir dans un premier temps.
Et les canons vont être très 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 efficaces sur les nains. Donc autant virer la catapulte, ça va faire doublon. Je pourrais presque choisir de virer le mortier. Parce que le mortier, à part du friendly fire... Alors qu'à nouveau, en défense de siège, il serait peut-être beaucoup plus à sa place. Sur le papier, tout ça, ça me semble être un bon plan. Pas le mortier. Pourquoi pas le mortier ? Il fait énormément de friendly fire et je vais avoir 4 canons. Oui, non, mais je suis conscient que c'est une bonne unité, mais cela dit, ça me permettrait de la mettre dans l'autre armée qui, du coup, pourrait tanker assez bien des invasions naines pendant que Snitch attaque ailleurs. Faut aussi garder ça en tête. Alors que les canons à l'intérieur... Ah si, les canons en défense, ça marche aussi. Je l'ai déjà fait, ça marche très très bien même. Mais que vire-je alors ? Un coureur d'égout. Vire la vermine d'élite. Je l'ai plus. Ah, ou les squads mortels. Ouais, c'est vrai que je pourrais faire ça. Voilà, je repasse en positif. Par contre, la catapulte, je l'enlève. Bon, là, maintenant, l'armée de Snitch, a priori, est intuable. Mais les catapultes en armée de défense, c'est très bien aussi. Hein. Les canons, ça marche super bien aussi. En fait, les canons, j'avais fait un essai... dans la campagne que j'ai faite avec Snitch en œil du vortex pour faire le tuto que j'ai fait sur la chaîne. Et là j'avais fait un test avec trois canons en défense de siège, et en fait les canons se mettent dans une ruelle ou devant une porte, et quand l'adversaire ouvre la porte, il est mort. Tout ce qui passe par la porte est réduit en bouillie, c'est incroyable. Du moment qu'il y a les canons, il n'y a rien qui peut passer. Une brèche dans un mur, c'est pareil. Mais il faut avoir le temps d'aller redéplier les canons devant, quoi. Mais c'est monstrueux. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, l'épée de Kane, oh, je la veux! Oh, je veux voir Snitch avec ça, ce serait tellement bien. Mine de fer noir. Ah, échec. Fouet épineux, portée de campagne, plus 15%. Nice! Quoi? Échec. Donc, l'autre couillon, il se barre. Oh, ça, c'est pas de bol. Oh, ça, c'est tellement pas de bol. Oh, le petit bonus de 15% qui tombe pile poil au bon moment. Alors là, si ça, c'est pas un immense plaisir. Et regardez maintenant qu'on a plein de canons. Paf, unité renforcée de 11%. L'armée est full. Nice. On va plus être obligé de faire 10 milliards de fois la même bataille. Ça, c'est bien. Allez, toi, tu vas scouter. Et toi aussi. Tu vas là. En fait, lui, il faudrait qu'il aille se planquer là-bas. Parce que cette armée-là, par exemple, à peu de choses près, elle pourrait aller prendre le mont de la sorcière. Il y a 13 unités en garnison. Ah bon? Ah ouais, quand même. Donc il lui faudrait... ouais, il lui faudrait quand même quelques unités de plus. Bah, si on lui met ces trois-là en plus, a priori... doit pouvoir faire de belles choses. Alors, ordre public, 0. Très bien. Plus 13, oui.
Bon, ok, donc la contre-offensive, c'est pour la prochaine VOD. Au revoir.